Et salut tout le monde, c'est Raziel, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 25 de mon Let's Play sur Horizon Zero Dawn. La dernière fois, nous nous sommes laissés sur la quête des Océrames avec l'oiseau tempête et on se dirigeait vers un nouveau creuset. C'est parti les amis. En dehors du record, ce que j'avais à vous dire, c'est que j'ai fait 2-3 trucs sans vous qui n'étaient pas intéressants en fait à filmer. Enfin si, mais ça prenait trop de temps et trop d'épisodes pour au final pas grand-chose, pas d'action. J'ai fait la zone de chasse des Rites du Soleil, qui était pas loin du creuset où je vais aller aujourd'hui avec vous les amis. Et voilà, et voilà. Une zone corrompue, oui voilà c'est ça, une zone corrompue sans vous, j'ai pas avancé masse. Je voulais vous attendre, mais bon, j'avais besoin de mods, j'en avais pas du tout, j'avais besoin de farmer les mods, et bon, filmer 2 heures et demie, parce que j'ai passé énormément de temps dans cette zone de chasse, à farmer les mobs, et en plus de ça, faire les 3 soleils radieux, qui étaient assez compliqués à faire, parce qu'il fallait pirater les machines justement pour avoir les soleils radieux, et utiliser les machines pour tuer d'autres machines, donc en clair, c'était relou. C'est cette zone de chasse que j'ai faite sans vous et cette zone corrompue qui était ici avant. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va faire le nouveau relais pour pirater plus de machines et la vengeance d'une fille. Si tout se passe bien, si tout se passe bien. Et aussi, j'aimerais bien savoir votre avis un petit peu sur ce let's play. Je sais que vous n'êtes pas très actif sur ma chaîne, mais j'aurais bien voulu un peu votre avis et des commentaires. N'hésitez pas à me dire. Ce que vous voulez voir. Voilà. Et c'est parti. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de retourner dans le jeu. C'est quoi cette musique? Ok. Ah, par contre, il me faut une arête de poisson. Il me faut une arête de poisson. Toi. Je l'ai raté. Ah, il est derrière le rocher. Il n'y a pas d'arête. Oh non. Non, 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 mais mec, je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là. Oublie-moi, oublie-moi, oublie-moi. Oh non, des étincelles, non. On va aller au feu de camp là-bas. Je pense que c'est un meilleur plan. Et un peu arrêter d'agresser un peu tout le monde. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ouh là là. On passe toujours dans des endroits insolites comme ça. On pirate, on pirate, on pirate. Et boum, combat pour moi. Calme, 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 calme. Je suis sûr ma bestiole elle peut gagner. Elle sert vraiment à rien. Je les ai toutes tuées, voilà. Allez, c'est parti. On continue, on continue. Je prends vraiment un grand plaisir à vous filmer et à vous recorder ce let's play, les amis. Ce jeu est juste énorme. Énormissime. Des bluettes, des bluettes. Les bluettes de l'amour. Comme tu dis, c'est parfait. Tac. On va monter par là. Ok. Je pense que c'est un creuset pour pirater les gueules d'orage, celui-ci. Oh! Il y a un truc à prendre ici. Point de données, de retour. Je viens de rentrer
Ho Chi Minh est tombé, j'ai failli rester comme les deux tiers de la brigade, on s'est replié à Binh Hoa, par là QL1K avec une tripotée de... Je vais vous laisser lire. Ah ok, ok, ok. On ramasse les cannes, 55 pas, petit feu de camp. Cochon, lapin, 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 lapin. Non, il n'y a pas. J'avais besoin... Non, c'était pas une peau de lapin, moi, c'est un os de lapin, je crois qu'il me faut... attendez. Capacité de stockage, os de lapin, viande grasse et peau de rat, arête de poisson. Donc, pour les deux nouvelles armes qu'on avait récupérées. Donc le crotal et la fronde explosive qui est juste énorme. Tac. Prochainement, j'aimerais bien me prendre l'arc de guerre pour avoir des flèches de corruption, de gel et l'autre, je crois que c'est électricité. Ce sera bien pratique. Oh, creuser Zeta. Voilà, bah, j'avais raison. Par contre ici, un truc je suis pas d'accord. Une machine de mort qui disparaît comme par magie. On n'avait pas besoin de ça. C'est un sniper le bazar. Oh là là, oh là là, oh là là. On reprend sa vie directe. Oh, il pique, il pique, il pique. Il pique même vachement. C'est horrible qu'ils soient invisibles là comme ça. C'est horrible. Ah! Est-ce que je peux crafter des potions?
une potion. Mais j'avais besoin de ces viandes grasses. J'ai même arrêté de parler tellement c'était chaud. Je déteste les trackers, surtout qu'ils sont trois. Et j'imagine même pas à l'intérieur. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'y aller en sneaky? Je vais regarder sa route. Afficher piste. Je pense qu'il va falloir les tuer pour pouvoir rentrer. Donc ce que je vais faire. Piège posé. On pose des pièges les amis, je pense qu'il va, il va tous se les prendre d'un coup, il va mourir. Comme un gros caca. Tac. Des électriques, on va en poser quelques-uns. Dans ces situations-là, mon lance-câble me manque. Et je pense peut-être que je vais le reprendre. Mon lance-câble me manque. Quoi ? Et on va lui mettre un 42% électricité. Équipé. Lance-câble à la place de... Ouais, de l'explosif. En fait, non. Non, explosif, là, tac, et toi en bas. Voilà. C'est prêt. On va poser les deux derniers pièges qui nous manquent. Voilà. On n'a rien vu. On n'a absolument rien vu.
Donc voilà, j'ai pensé à refaire ça. Tac, voilà. Donc toi, on va l'équiper, on va la mettre. Toi, t'es là. On va poser le lance-câble en feu. Les petites mines de proximité, mais toujours plaisir. J'ai plus de flambée, c'est génial. De mort qui disparaît comme par magie. On n'avait pas besoin de ça. Du calme, du calme. Ah, allez, là on s'y est bien pris les amis. T'étais mignon, hein? Sérieusement. Bon. Je pense qu'on s'y est mieux pris cette fois-ci. J'exploite un peu plus l'environnement et les pièges. Parce que j'ai été un peu en mode barbare tout à l'heure. Désolé pour ça, les fails font partie de mon gameplay. De toute façon, tout le monde se fail. Qui ne se fail jamais? Non, il y en a encore un? Oh non, c'est toi.
Ok. Donc le monsieur m'a regardé et puis il s'est dit non, lui il me fait trop peur. Ok. Ok, ok. Ok, c'est pas par là qu'on rentre. Donc ça doit être par le dessus. Donc en clair, je me suis tapé. Ces conneries de mob pour rien. Ok. Intéressant. Intéressant. Par contre, le lance-câble, je vais le modifier et je vais pas prendre le lance-câble là. Je vais fronde explosive de l'ombre. On va voilà. On est bien là, les amis. Je pense que... Où est le robot, là? Il scanne les environs. Je crois que je suis monté un peu trop haut. Décédé. Comment on va dans ce relais, les amis? Oh, trouvé. Trouvé. Et boum, c'est parti. La 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 la. La 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 la. Baladons. Les décors sont très beaux, n'empêche. Donc on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a dans les environs. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Plein de boîtes, mais pas de mobs. Difficile de croire ça. Pas de robots. Je garde ça pour la route. Par contre, je vais aller chercher toutes les petites plantes. Des flambées, ça fait plaisir. Là, il y a une plante. Parce que c'est quand même des plantes 10% de vie. Voilà. Ouais, 14% celle-ci. La petite plante ici, qu'est-ce qu'il y a? Des flambées, des réceptacles, des plats de rivage. Mes bottes sont pleines d'eau. Et rien du tout ici. Ok, continuons. Oh, c'est lumineux ici. What? On est déjà dans le noyau? C'est déjà fini. Ok, bon bah il est mort et moi par contre j'ai perdu masse
masse vie pour au final rien du tout. Ah donc c'est... Oh bah oui, bah bien sûr. Et en plus c'est un gueule d'orage. Pourquoi les... Ah! Tu es buggé, petite plante. Satanas. Une plante. Deux plantes. Il y a autre chose que des plantes ici. Des plantes. Ouais. Je suis tombé vraiment comme un caca. Moi, je dis... On va faire une stratégie. Parce que bloquer ici avec ce monsieur pas beau et mourir, non merci. Donc grimper. Grimper, c'est ici pour pirater. Et du coup. Ou alors c'est là. Peu importe en fait. Là, il y a encore un truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. 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 Donc inventaire, arme, lance-câble. À la place de celui-ci. Donc on place notre petit piège, hein. Comme d'habitude. La la la. Passionnant. Donc maintenant, les électriques. On va les mettre un peu plus en avant. Comme ça, il chope l'électricité avant. Je vais le reprendre parce qu'il est très mal mis. Il est rentré dans le sol. Voilà. Voilà. Préparation au combat. Là. Là. Oui, je pense qu'il va en falloir beaucoup pour lui. Voilà. Donc maintenant, piège explosif. Au milieu. Ah ok, j'ai la limite de câble là. Donc en clair, j'ai fait disparaître tous mes autres câbles de feu. Oh là là. Ce fail. Ce fail. Oh là là. C'est pas grave, on va placer les pièges. En fait, ça enlève des trucs. Je vais en mettre un dernier et puis je vais arrêter là parce que... Faut que ça m'enlève mes câbles.
Voilà. Et un dernier, ici. Mais ça a encore pété un câble, c'est génial. C'est la folie. On aime. Et on va aller pirater directement. On va crafter ça une fois. Et on va aller se cacher dans notre petit truc. On va grimper, pirater. Tu me vois plus, tu me vois plus, tu me vois plus, tu me vois plus. Je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là. Oh là là, il m'a éclaté la gueule. Il m'a éclaté la gueule. Je crois que c'est pas le bon plan de se cacher dans ce trou de merde. Il m'a juste défoncé. Il m'a juste défoncé. Et pourtant, comme je vous ai dit dans les chasses, j'en ai pété la blinde. Et, oh, par contre, vous me respectez pas. Hein. Ok, ça c'est fait. On descend en rappel. Au lieu de tomber comme un gros caca. On va re-ramasser tout ce qu'il y avait dans la zone. Et je pense que cette fois-ci, ça va être le bon essai. Cette fois-ci, on va placer des pièges intelligents, pas des pièges de caca. Genre les pièges électriques qui ne servent strictement à rien. Surtout contre lui, ça c'est la plante buggée. J'en aurais sûrement besoin. Des plantes. Oh, j'allais oublier ça. Des plantes. Une caisse de ravitaillement. Franchement, les gueules d'orage, ils sont juste abusés en combat. C'est horrible à gérer. Ils ont des armes de malade mental. Mon petit trou, il est où? Il était là. Ah, il est là-bas. Ok. Donc on va mettre d'abord les mines de proxy. D'abord les mines de proxy. Ok. Maintenant. Maintenant, inventaire. Lance-cale, on va le mettre à la place du... la place de la de ça. Voilà.
Maintenant, un piège de feu. On va mettre d'abord les pièges comme ça. Surtout ici. Parce qu'il va se les prendre, le gentil. C'est mieux de se préparer. Les pièges de feu. J'explose de feu et de feu. Donc maintenant, lance-câble en feu. On va arrêter là parce que mes pièges commencent à disparaître et c'est pas une bonne idée. Et je pense qu'on est bon, il va quand même se prendre Bagdad. On va juste équiper une deuxième flèche. Et c'est parti! Deuxième essai. J'espère qu'on va enfin réussir. Je vais arrêter d'aller là. Je vais arrêter d'aller dans ce coin. Je vais arrêter de venir dans ce coin parce que c'est horrible à gérer. C'est horrible. Et là, je vais le tenter en mode bourrin. Donc, il va se prendre tous les pièges. Je vais détacher son arme et prendre son arme. Enfin, essayer de détacher les deux armes. Tourner autour de lui et prendre les deux armes. Là, ça va être plus simple. Voilà. Allez, on descend. On va re-ramasser ce qu'il y avait dans la zone. Tous les petits champipis, ça c'est le champipi buggé. En replaçant les pièges. Je vais pas me foutre dans le trou, mais je vais d'abord aller là-bas pour la tirer sur les pièges. Donc j'ai tout ramassé. Non, pas ici. Et je vais pas ramasser maintenant à cause du truc. Je vais me choper un jus. Je vais me choper du jus. Et donc c'est là le trou. Ok. On plaçons d'abord ça. Ok.
Maintenant, on prend le lance-câble. Qu'on va mettre à la place de ça. Voilà. Et on va recrafter ça, ça. Et ça. Voilà. Les pièges y disparaissent ici, mais pas dans la nature, quoi. Et de feu, on va juste en mettre 4. Sauf si je vois que le premier disparaît. Premier n'a pas disparu. Et le premier n'a toujours pas disparu. Ah, c'est les mines qui ont disparu. Oh là là, quel teubé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on est quand même bien. J'ai crafté des mines pour rien. Puff, on pirate. J'ai pas préparé de deuxième flèche, mais c'est pas grave. On va toujours le faire maintenant. On tente les amis, on tente. Dans tes dents. Dans tes dents. Et même tu sais quoi mec. Tu sais quoi mec. Tu sais quoi. Doom. 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 Tiens. Tiens. Mais tiens. Saloperie de machine. Saloperie de machine. Ah. T'es moche. Bon, bobine maniement, bobine électricité, tissu discrétion, tresse de cristal. J'aurais dû commencer directement par là, c'était débit de ma part de... Monsieur, pourquoi tu me bloques comme ça? T'en as pas marre d'être mort? Voilà. Tu es à moi, tu es mort. Comme un caca. Allez. Donc ça, j'en recrafte parce que c'est méga cheaté. Ça aussi. Par contre, le lance-cap, je vais le remplacer parce que j'aimais bien ma fronde. Je kiffe trop les frondes. C'est trop bien. Les frondes, c'est un lance-pierre, quoi. Par contre, l'arc, j'ai l'impression qu'il fait plus de dégâts, moi. Et on pirate, les amis. Nous avons le relais. Enfin! Des informations qui m'aideront à pirater plus de machines. Et quelle machine? J'attends de voir ça. Maintenant, on peut pirater. Oiseau tempête, brise roc, gueule d'orage. Que des grosses bêtes, les amis. C'est génial. C'est juste génial. En plus, on passe notre niveau 38 au calme. Sans bavure, je vais pas dire parce qu'on en a bavé un petit peu sur le boss. J'ai juste pas fait la bonne strat.
Et du coup, je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. On va se laisser ici et je vous dis à très bientôt. Salut!